Oh là là, c'est quoi ces quêtes là qu'il propose lui? Délire. Mais là, je peux déjà te dire que voilà, Frostpunk, c'est déjà validé. Il y a plus qu'à ce que Nibel m'ensuite le rajoute à la liste, mais pas de raison. Si c'est prévu pour le coup, là, Yann, c'est prévu que je refasse un run 2 les 3, sache-le. C'est tout à fait prévu. Depuis un petit moment déjà, j'avais envie. Parce que je l'avais fait. J'ai quelques souvenirs des choix que j'avais fait, mais pas trop. Et en plus, je crois qu'il n'était pas dans mes collections. C'était une saga à ce bureau. Simplement. Mon dieu, tellement de quêtes de contrat. Précieuse plume, donc pour ça, faut que je fasse. Et Dino, ok, on va aller faire la quête de Sanya. Et pour ça, c'est. Seigneur des cieux. Boum. Alors, conduite automatique, quête, seigneur des cieux, c'est parti. Il est 18h47, il nous reste un peu moins d'une demi-heure encore. À 19h15, je fais comme hier, je remets en pause. Et je vais reprendre une douche, manger, dîner un petit truc. Bon, et ensuite, on est parti pour ce quoi. Ouais, allez. Je crois que le griffon, je vais littéralement le one-shot. Bonne soirée, Lion. Et bonne bouffe. Alors, on le voit, au moins on le voit bien, on le voit de loin le griffon. Hein. Ah, il va peut-être être costaud quand même. Peut-être pas, peut-être pas. On va voir ça. Bon, allez, viens là. C'est bon, c'est un vrai boss. Allez, viens là. Viens là, sale bête. Déteste les bestioles volantes. Impeccable. Mais pourquoi j'arrive pas à le. Gladio. Allez, on le fait tomber, Gladio. Oh, le petit 9999 qui lui plaise là. Oh, il n'y aura pas besoin de magie. Hein. On va le faire tomber. Oh, cette caméra par contre. Après je vous dis, je veux pas les critiquer pour la. Enfin je veux pas les critiquer. Je m'en fais pas non. Je les critique mais je m'en fais pas non plus une un drame parce que je connais pas de jeu d'action qui a une bonne cam. Oh lésion. C'est parti, c'est carnage. Il se pourrait que ça se complique un peu. Boum. Allez, il est à terre. Allez, vulnérable. C'est la taille de ton ego qui m'étonne. Donc là, je vais pouvoir valider la quête auprès de Sanya et la quête de chasse. Donc ça, c'est très cool. Ensuite, donc Dino, non. Et dans les quêtes maintenant hors de chasse, je sais pas s'il y a un truc qui me branche vraiment. Après c'est que du niveau 20, 27, 300 XP. Là on a 5000 XP mais j'arrive pas à la faire. Ouais non, je pense que les quêtes plus intéressantes vont être les quêtes de chasse. Hein. Ah 12 000 XP justement, mais ouais. 3000 vives, 15000 guilds, mais je m'en fous de la thune. Je suis au-delà de tout ça, vous savez. 52, lui il a l'air cool par contre. Ah, il est à la centrale la nuit. Ok. Est-ce qu'il y a un autre boss pour la curiosité? Griffon. Rengarula. Oh, pauvre bête. Méga Phoenix. J'aime bien les méga élixirs, surtout. On va aller faire les quêtes pour les méga élixirs. Retourner à la voiture, oui. Enfin, je prépare un peu mes combos, parce que les méga élixirs, c'est quand même des trucs qui te mettent toute ton équipe full life, full mana. Voilà, donc c'est sympa, quoi. Ça, on va en faire quelques-unes. Et donc, toi, t'as tout fini, Urza. Putain, t'as eu la force. Hein. Moi, je te dis clairement, ça me casse les couilles. Hein. Si je devais tout finir, ça me lasserait, honnêtement. Même, tu sais, toutes les petites quêtes, randonneurs en détresse et tout, ça me casserait les couilles. Là, je sais que j'arrive à continuer les quêtes de Rania, Dino et Dave, parce que c'est vraiment, il y a un suivi. Alors, bon, c'est pas très passionnant ce qui s'y passe, mais par contre, généralement, il y a des boss. C'est-à-dire que la quête en elle-même, c'est du FedEx, hein, va ici, tape ça. Qui veut se dégourdir les jambes?
Mais bon. C'est vrai qu'au niveau des quêtes secondaires, c'est très redondant, quoi. Après, peut-être que l'affinité sera pas mal. La limite, ce serait bien, c'est que je finisse quand même les tombeaux, parce qu'il me reste plus que 3 tombeaux. Si c'est faisable, d'ailleurs, j'en sais rien. On va bien prendre. Hop. Voilà. Toujours prendre ici. On ne campera plus. Ça, je ne vais plus camper, clairement. Parce que mon XP, elle ira dans un bel hôtel avec plein d'étoiles. Voilà. Ah, mais c'est vrai que j'ai mes chocobos, je suis bête. Ah, c'est bientôt la nuit, je vais pouvoir aller faire un remouchage juste derrière. Impeccable aussi, ça. Je vais pouvoir enchaîner cette quête-là et la quête d'Aramusha. Cool. Cool. J'ai hâte de voir à quoi il ressemble, Aramusha. Parce que Zilon, c'est un meuble de nuit dans la centrale. Il a l'air d'être un peu énervé, une sorte de samouraï démoniaque. Ça a l'air d'être relativement énervé, pour le coup. Bon, ok, je vois les cibles devant. Des anacs à l'homme et des anacs femelles. Ok, cible repérée. On est parti. Sympa, la balade. Ça va être full one-shot, hein. Ah non, ils se one-shot pas ceux-là, c'est vrai. Ah putain, les connes de girafe résistent à l'anneau. Oh quel enfer. Putain, il va falloir toutes les buter une par une, quoi. Secours. Allez, Gladio. Oh oui. Oh oh oh. Putain, tout ça pour une seule, alors qu'il y en a 6 à buter. Oh là. Ok, et deux. Bonne caméra en tout cas. Quel plaisir la cam. C'est qu'elle est costaud cette bébête, hein. Et de deux. Putain, j'en fais les patates par contre là. Allez. Et oui, je suis exprès de pas utiliser ma magie, hein, je précise. Je lui dis, je garde toutes mes magies pour la fin. Je vais l'éclater le boss final, je vais voir à quel point je peux leur mettre cher avec ce build. Allez, bien joué Prompto ça. Allez. Merde. Si c'est bon. Bête de l'enfer. Voilà. Impeccable. Impeccable chat. Bon. On retourne à la voiture, on va aller faire... Merde, je peux pas. Ah, je suis encore en fight. Magnifique. Bon, la tuture est juste là. Et donc là, on va aller maintenant faire Aramusha. Une lame nue en argent. C'est 52 et c'est dans la centrale. On va tout donner sur ce combat. Je pense qu'elle est à l'étage de la centrale. Noct. J'entends un moteur Magitech. Oh. Ils sont où ces cons de Magitech? Oh, ils sont loin. Que se fait enculer. Conduite auto, logiquement je peux y aller direct. Yes. Est-ce qu'on est d'accord, le chat, que Gardinia et Alticia c'est la même chose? Enfin, c'est genre, c'est Alticia, c'est la ville dans la région de Gardinia. Parce que Chaton-Lune me parlait d'un hôtel x5. Moi, j'ai juste vu un x2 à 15 000 guilds. Et il me parlait d'un x5 à 5 000 guilds. Sauf que j'ai pas envie de dire que c'est l'info de chat parce que le mec a fini le jeu. Je crois que c'est un mec, Chaton-Lune. Mec ou meuf, il me semble que c'est un mec. Bref. La personne, l'humain, Yel a fini le jeu. Et il a été pour l'instant très bon conseil. Non, c'est pas pareil. Ah!
Alors je sais pas ce que c'est Gardenia dans ce cas là. C'est quel moment du jeu Gardenia pour l'instant? J'ai déjà vu moi ce truc là. Quand je disais que c'est pareil, tu vois, je pensais que le genre l'un c'était une région et l'autre la ville de l'an quoi. Parce que attends. En gros là-bas. C'est pour la Gardenia, non? Ah Galdina. Galdina, ok. C'est genre là-dedans que je peux me reposer. Ah, mais c'est la caravane. Mais non, la caravane est pourrie. Dans la baie Galdina. Ou alors je peux me reposer là où la meuf elle fait la bouffe. Il doit... Oui, il a parlé de là où il y a la dino. Donc il y a la caravane, il y a peut-être à l'intérieur où je vais pas me reposer. Hein. Faudrait que j'essaye. Mais x5 ça me semble beaucoup quand même. Parce que j'ai à chaque fois, je crois que c'est x1,5. Je pense que le mieux ça doit être ça, par contre il doit se tromper là-dessus. Il y a un hôtel. Parce que je vois pas comment ça peut être mieux que le... Enfin, ce serait pas logique qu'il y ait un x5 à 5000 et l'autre qu'il y ait un x2 à 15000. Tu vas pas regarder, ça marche. J'irai voir ça, mais... Tu me confies... Toi, Urzael, t'as vu que c'était un combien? C'est pas x5, oui, on est d'accord. J'étais sûr qu'il y avait une erreur... quelque part. C'est-à-dire que je pense que le mieux, on est d'accord, que ça doit être le x2 à 15000 guil à Laetitia. Là, la suite de luxe, là. Pour moi, ça semblerait logique. Hein. C'est le plus cher. Alors, voyons voir Aramusha. Qu'est-ce que c'est que cette bébête? Ce samouraï des enfers, là, il est où? Ok. Stylé. Voilà. Ok, il a beaucoup de points de vie. Oh, il vient de one-shot Ignis. Pas Ignis, excusez-moi, Noctis. D'accord. On va préparer la magie, les gars. Faut le dire. Allez! Allez, 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 Gladio! Putain, je vais me refaire one shot. Putain, je l'ai quand même mis mi-life, ça va pas suffire. Délire. Hein. Allez, Gladio! Je suis tellement content d'avoir acheté plein de super élixirs. Ça m'a coûté 30 000 guilds, mais honnêtement, ça les valait. Hein. Ça les valait large. Pourquoi Gladio n'arrive pas à le. Bon bah écoutez, hein, on va faire Prompto parce que Gladio il est en PLS. J'ai l'impression que Gladio en fait il arrive rien à faire avec sa grosse épée. Cette fois, la peur va changer de corps. Facile à croiser, celui-là. Joli travail. Oh, c'était trop stylé. J'ai fait un contre, j'ai pas fait exprès mais c'était trop classe. Par contre, quelle idée de foutre un combat aussi stylé dans un endroit aussi étroit, putain. À quel moment c'est une bonne idée de faire ça, les gars? What the fuck, quoi. Attends, deux secondes, c'est la merde là. Petit instant, là il y a carnage là. Oh merde. Je sais pas, épée basique, j'ai pas réfléchi. Je pense qu'elle a un truc qui fait qu'il lui fait pas de dégâts ça depuis le début. C'est ça qu'il arrive pas à l'attaquer. Oh, mais putain. JPP. C'est bon, on l'a eu. Lui, il était fort. Hein. Lui, il était fort, putain. Impeccable. Le combat était stylé. Petit contre et tout, plutôt classe. Faut que j'achète justement les autres armes. Là je l'avais acheté pour Noctis, j'avais la lame sanglante. Mais elle fait que 150, c'est un peu nul de ce que j'ai vu. Genre j'ai vu que la... Après c'est l'arme de Garuda, elle est très forte, qui fait 400 et quelques. Je pense que mes armes elles sont un peu éclatées au sol, tu vois.
Faudrait que je check comment choper l'autre. C'est vrai que je tape à 400, tu vois, c'est un peu naze, entre 300 et 400 avec mes coups d'épée. Après, j'ai juste l'épée normale avec, avec Noctis, quoi. C'est un peu nul. D'où mon utilisation intensive de la magie que je kiffe. Rapport à un informateur. Ah bah écoutez, c'est par là. Vas-y, go, ce sera fait. De toute façon, voilà, là on va aller valider les quêtes. Donc je valide les deux quêtes là, je valide la quête auprès de Rania, je vais aller voir si j'ai pas des récupéré des compos à valider auprès du PP, et on va aller voir l'hôtel. Mais je pense que mieux sera les Alticia pour le coup. Hein. J'ai validé la quête auprès de l'armurier ? Je sais même plus au final, je crois pas, avec les bullettes. Ah bah tiens, Ramusha. Il était là. Je crois que j'ai aussi cette quête là, parce que c'est vrai que l'armurier il a été un suivi. Hein. On va aller le voir. Merci pour nous. Je vais vite fait pisser autant que ça se valide, j'arrive le chat. Et refus, mais ouais, je vais aller voir un peu les armes là, tiens, attends, avant de faire une petite pause. Vous avez kiffé la petite musique ? Vous avez tous survécu. Putain, j'ai vu qu'il y avait un grade 6 de chasse, quoi. Quel enfer. Après, tu l'as commencé à avoir des chasses vraiment badass. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Non, Osef si ici. Aimez, n'hésitez pas à demander du rap. Ta-na-na-na-na. Oui, on cherche des renforts. Vous parce que là, je me vois passer grade 5, mais alors grade 6, waouh. Wow. Où est l'armurier déjà? Attendez, j'essaie de me rappeler où il est, Jean-Mimi. Il y a un Jean-Michel Armurier. Bonjour madame, jolie brassière. Putain, où est-ce qu'il peut être ce con? Est-ce qu'il y avait un armurier? Je crois que c'est lui là à gauche. Attendez, la quête elle est où? Précieuse plume, donc ça je peux aller la valider. Dino, on fera ça dimanche. Lui là, voilà. Livré. Ah, c'est là-bas. Livrer une carapace de bullette au marchand. Ok. Un armurier. Il va peut-être me faire des armes spéciales. Les d'ici sont incroyables. Ou des rabais. Tellement du caractère. Avec ta technique de drague, tu te rejetais direct. Bim. Tu peux parler, toi. Remarque, il va bien y avoir de la demande pour des mecs comme Prompto. On appelle ça les simples. Ça comme un compliment ou une insulte? Comme tu veux, Prompto. Prends-le comme tu veux. Alors, bien sûr, donner la carapace du bête au marchand. Vous vouliez. On est d'accord. Ah oui, bien. Je m'ajoute, ça m'a bien rendu. Ah. Alors, prix réduit, bingo. Bingo, prix réduit, donc ça c'est déjà pas mal. Ouais, donc lui, ça vaut peut-être le coup de finir sa suite de quête, hein, Jean-Michel. Oh, ah putain, bon, encore une nouvelle suite de quête. Vous pouvez m'en ramener en... Les spires à cornes maintenant. Oh. Du coup, donjon fini, je peux backseat un truc sur les armes. Vas-y, fais ta plaise. Sabre runique ou langue de feu? C'est quand? Comment on compare déjà? Ah, c'est ça. Attends. Non. Épée du père. Épée sanglante, 198. Non, il n'y a pas mieux. Épée brute. Ah non, merde. Oh là là, fuck. Claymore. Gladiolus, il a une arme à 496. Non, il a beaucoup mieux que ça. Non, elles sont nulles à chier, ces armes à lui. Là, pour l'instant, le meilleur vendeur d'armes que j'avais vu, il était à... Il était à... Alticia, je crois. Pistolet de mitril. Ouais, non, c'est trop bas. C'est trop bas. Allez, à bientôt. Après, s'il y a une suite de quêtes avec lui, peut-être qu'on peut lui faire en sorte qu'il ait des quêtes de ouf. Tiens, attends, équipement... Merde. Oh là là. Ah ouais, j'ai eu tellement de nouveaux trucs là. Délire. On t'a pris le niveau maximum. Putain, détail, oui. Monte la force. Je sais pas s'il y a mieux que les trucs par balle en vrai. Boucle d'ange, augmente les points de vie.
Ouais, 3500 points de vie en plus, ça c'est pas mal. Augmente grandement la force. 3700 points. Ah oui, version or, ok. Ah oui, ok, 55. D'accord, Ruby c'est le top en fait. Ok, je viens de comprendre. Je viens de comprendre comment il marche leur truc. Comment il les a classés. Hein. Ok. Donc par exemple, armille, on met armille d'or. Ce sera forcément mieux. Noctis. Boucle d'ange, pourquoi déjà? C'est bon que la magie, ouais. Je sais pas si tu veux l'entendre entière, tu as les armes pour chaque version. Ouais, ouais, ouais. Oui, ouais, ouais, c'est en cours, mais pour l'instant, ils sont pas mieux. Je suis bien d'accord avec toi, mais pour l'instant, ils sont pas mieux. Mais c'est pour ça que j'essaie de faire la quête de Seed régulièrement. Quand ça sera mieux, quoi. Mais on est... J'ai bien vu. J'ai tout à fait vu. Gladio, donc, il a actuellement bracelet d'Héliodore. Attends, on va voir le truc pour la force, c'est... Bracelet de rubis. Voilà, c'est mieux. Et ça, c'est la constitution. Ah, il y a Saphir, là, qui augmente encore la force. Qui baissera la constitution, mais qui augmentera encore sa force. Après, la titane, c'est pas mal aussi pour augmenter encore ses points de vie. Chevalière d'épéiste, ça augmente la force, c'est ça? Bon, on peut bien faire l'interface. Ah non, ouais, constite, c'est ça. C'est plus 60 constite. Je pense pas qu'il y ait mieux. Ouais, non, chevalier de héros. Ah si, la constite, bah voilà. Bim, chevalier de héros. Hop là, Ignis, donc armille d'or, combinaison paire balle. On s'en fout des balles maintenant. Ignis, armille d'or, c'est les points de vie. Qu'est-ce qu'on peut lui mettre de plus stylé? Force, non. Poussière d'or, l'état stop, état purification. Bracelet de saphir, force. Non, lui il joue avec les. Je crois que c'est la dexté. Non. La résistance, l'état crapaud. Qui permet de créer un. Non, c'est pour Noctis. Ah, prompto. Je sais pas quoi lui mettre d'autre en vrai. Et prompto. Armée de carbone, on va lui mettre mieux quand même. Au moins d'argent. Ça sera un peu plus le respecter, ce pauvre garçon. Sablier d'or. Est-ce que j'ai mieux que l'armée d'argent? Armée de titane. Ah bah non, c'est moins bien, oui, ok. Et ça sent que d'appareil photo, non, j'en ai rien à foutre de ces photos. On va encore. On va lui mettre double armée d'argent, on va encore lui augmenter ses points de vie. Alors, donc j'ai tout à fait vu, cher Urza. Mais regarde, tu as par exemple là, l'épée de la motorisée, elle a 40 actuellement. C'est vrai que c'est pas dingue. La lance, pareil. Toi, il n'y a aucune arme. Alors, il faudrait que je les améliore encore et encore et encore. On est d'accord. Mais c'est vrai que pour l'instant, elles sont éclatées au sol. Hein. Gladiolus, l'Hyperion. Ouais, j'ai pas mieux pour l'instant. Ignis. Les mains gauches, il n'y a pas mieux. Tu vois, j'ai juste. En fait, c'est juste que j'ai pas mieux pour l'instant en termes de. Et la vif argent, pareil, j'ai pas mieux. Hein. Tout simplement. Quête temporaire. Non, ça, on s'en fout. Plus améliorer, ils font plus que le café. Ah, bah, j'en doute pas. Mais bon, faut-il. Yes. Faut-il atteindre ça. Alors, donc, lui, il faudra que je continue la quête. Donc, je pense que lui, sa quête, ça va peut-être valoir le coup. On va aller valider celle-ci. Ça, c'est à valider. Auprès de Rania. Ensuite, justement, je vais voir Seed pour continuer l'amélioration. Parce que je me dis que tu vas sur le chemin, j'ai peut-être eu les composants d'amélioration. C'est ça qui est bien là, c'est que tout est instant. Et ouais, sur ça, oui, ça pourrait valoir le coup, hein, j'en doute pas. J'en doute pas, j'en doute pas. Ça. Pourrait être stylé. Après, j'aime bien aussi acheter mes armes. Hein. C'est vrai que j'aime bien les faire évoluer ou bien les acheter, je sais pas. Ça dépend. C'est que ça dépend, tu vois, comment c'est foutu quoi. Surtout, n'oublie pas d'acheter des médicaments. Compris? Et donc tu me confirmes que Aelticia, l'hôtel à 15 000, c'est le top, je suppose, pour utiliser l'XP. Oh, il est parfait. Oh putain, 12 000 encore d'XP. Sphère de sûreté, tiens. Vous êtes venu me voir. Pas d'autre quête après elle. On va voir si ça en est bloqué une autre quelque part. Alors, où est-ce qu'ils sont? Ah!
Sanya encore. J'ai toujours pas la quête de Dave. Dave. Quel nom, Dave. Le mieux, je sais pas, mais j'utilisais que celui-là. Ok, ok. Là, je vais aller voir Sid, voir justement si j'ai des compos à lui filer. Ah putain. Je déconne, Hammerhead, go. Je vais aller voir Sid et ensuite je vais aller à Laetitia. Et on arrêtera là pour FF15 aujourd'hui. Ouais, il est cool. Il est solide ce FF15 quand même. Ils sont juste un peu perdus en chemin sur certains trucs qu'ils ont fait, quoi. Mais bon, c'est la vie. C'est quoi ça? On va faire le plein. Pas se faire avoir une deuxième fois. Oh putain, Cindy. Ok. Alors, copain Sid, t'es où mon pote? Il est là. Est-ce que j'ai chopé les compos justement? Ah bah oui, tiens. Impeccable. Allez, je vous emprunte la machine un moment. Parfait. Quand ce sera prêt, je te passerai un coup de fil. En cas de problème mécanique, il y a qu'à demander. Est-ce que je peux quitter sans utiliser mon XP? Je sais pas si tu sais. Très bien. Ah bah j'en ai validé, ok. Tu sais, genre là, si je quitte et je sauvegarde, ça perd pas mon XP en cours, on est d'accord? Parce que autant encore faire encore des quêtes, en fait. Il y a une fois Laetitia quand j'aurais fini pas mal de quêtes encore. Oui, si tu save, on est d'accord, ok, ok. Bon bah voilà. Hop là, 35h42 jeu. Pick up ça. Donc dimanche, on va avoir un gros programme sur FF15, hein, tout de même. Voilà, 35h40. Parce que donc dimanche, on va finir, on va essayer de finir en tout cas la tour de Dino. On va essayer de finir la quête de Rania et la quête de Dave si possible. Deux DLC, chapitre final et le DLC d'Ardyn, idéalement. On verra où on en est côté heure, si on peut faire Ardyn ou pas. On verra ça. Parce que là, tu vois, la quête principale, moi, elle monte 44. Donc bon, je devrais quand même être tranquille. Parce que là, je serai bientôt 60. Je vais me mettre 60. Là, si je dormais, je serai 60. Donc, ouais, on est bien. J'ai pas mal de sorts quand même. Là, j'ai 4 sorts quintuples. Ça devrait le faire. Attends, juste compétences. Puis, je mettrai autre chose. Je sais pas ce que je peux... Parce que la arme fantôme, en vrai, arme fantôme, c'est un bon burst quand même. Annule les coups en PM pendant quelques temps après un combo fantôme. Ah! Sympa. On peut gagner les points de compétence en exécutant les combos fantômes. Bah tiens, ça pour investir. Permet de gagner les points de compétence en invoquant l'arsenal fantôme. Ok. Ouais. Ouais, là, c'est stylé, mais c'est 550 points. T'en as eu toi, Sayurza? Parce que je sais pas comment ils font en fait. Hein. Non, mais avec les quêtes, les niveaux, il y a des choses que je comprends pas. Ouais, il y a des choses très cheloues, hein, on est d'accord. Faudrait que j'aille tester la quête 99 quand même. Pas la démon Kylon, mais l'autre meuf. Hein. Ça et quoi? Attendez, j'ai envie de tester vite fait. Je suis dans les temps, 19h17. J'ai juste envie de tester ça vite fait. Enfin, si je peux y aller à l'instant, sinon si je peux pas, tant pis. Est-ce qu'elle m'ouvre le cul hein? Cette quête. C'est lui. 8 minutes, tant pis. Tant pis. Négatif dans ce cas-là. J'ai pas trop quoi mettre en compétence. Soutien. Non. Ah oui, à Gladiolus, bloquer des attaques avant qu'elles ne vous atteignent. Ouais, c'est stylé. Permet de toujours infliger des coups critiques lors des combos. Ouais, 333. La limite de dégâts des attaques effectuées lors des combos. Ah mais 999 points quoi. Au secours les gars. Ah ça si je lui file une lance. Ah oui ok, dague. Ah attends, permet à Ignis de tirer. Ça faudrait peut-être que je le fasse. Ça pourrait peut-être me... C'est vrai que si là je leur mets d'autres compétences, ça pourrait être pas mal. Clairement pour la NG+. C'est vrai qu'il y a NG+, c'est pas fou.
Parce que là, ça peut être pas mal que... Ça, c'est les compétences qui font elles-mêmes, quoi. C'est ça. En gros, ils vont réagir en fonction de ce que je suis en train de faire, quoi. Ennemi à terre. Bouclier, ça, je pense qu'il faut que je le sélectionne. Prompto, j'ai déjà tout pris. Ça, c'est les stats purs. Ah, et ça, c'est leurs trois accessoires. C'est ce qui est stylé, en vrai. Mais bon, ça, c'est clairement, effectivement, du... Là, c'est pour gagner de la constite. Des points de vie. C'est les Blood Eyes. Le NG+, c'est nul, ouais. Ça me choque pas. Ah, mais je te dis, il y a plein de trucs qui sont foirés. Hein. Allez, points de compétence en photo. Cours Chocobo. Le mode stratégique, je sais même pas, dis-toi, c'est quoi la touche pour l'utiliser. Je l'ai pas utilisé une fois, je sais pas c'est quoi la touche, littéralement. Pas la moindre idée. Récupération 1. Ah. Ça, c'est pas mal. Ah, là, ça pourrait peut-être les aider, ça. Tout petit peu, bof. Commande. Ah, voilà, et là, c'est quand je leur donne des ordres, ça. Cyclone, allez, voilà, deux segments. Tandis que soutien, c'est eux qui font leur truc. Bon, on va faire ça. Comme ça, ils me protègent. On leur révèle de base, donc quand tu es toi... Ah oui, c'est complètement débile, Urza. Oui, ça... mais parce que c'est tout le problème du jeu, c'est que ça t'adapte... Tu vois, contrairement, par exemple, à Odyssée, ça s'adapte pas sur ton level. Et c'est le souci depuis le début, hein. Pour le coup. Fait partie des mauvais plans du jeu, ça. Hop. Oui. Voilà, comme ça, ils vont être beaucoup plus puissants, les deux copains. Les Karakosef. Parce qu'en tout cas, la con, là, dans les loisirs. Genre la pêche. Allez, tiens. Plus de compétences lorsque je pêcherai. Wouh! On va re-sauvegarder. Oh, il y a plein de trucs un peu étranges. Il y a du bon et du moins bon.